Un film comme dans un documentaire. Moi, je m'aurais jamais imaginé dans un tel environnement, carrément. C'est naturel, c'est la forêt, il y a une forêt dense, plein d'arbres, plein de c'est vert. Et parfois, il nous arrivait de marcher à travers des cailloux avec des ruisselements d'eau. C'est beau, vraiment. C'est imaginaire. C'était une étape la plus passionnante, la plus belle que j'ai eu à vivre dans le programme de l'enfant. Bref, bien sûr que c'était un mythe pour moi, parce que j'en entendais parler tout le temps, à Nidifarlo, bon. Je savais que ça ne doit pas être un truc très petit, mais quand même, je savais que c'était un truc qui n'est pas petit du tout, parce que j'en entendais parler. Mais là, quand je l'ai vu en réalité, c'était vraiment féerique, surtout. Féerique et même paradisiaque. Arrivé aux chutes, là, je suis la grande surprise. Voilà, on est là dans une enclave avec entourée de montagnes, donc pas de très grandes montagnes, mais voilà quoi, avec des chutes qui descendaient et vraiment ils descendaient sur c'est pas une eau stagnante là, une eau de 4 degrés,